un réseau, au jour d'aujourd'hui, on est tous dans des petites boîtes, petites ou grosses structures. On est tout seul. On a des questions, on a aussi des réponses d'ailleurs, des fois, mais on ne peut pas les partager. Et ce soir, il y a 38 réseaux, je crois, donc c'est super pour tous ceux qui cherchent à rejoindre une association. Et VIP est un peu le nœud qui regroupe l'ensemble de ces réseaux. On s'est aperçu que les réseaux portent de nombreuses initiatives qui sont moteurs du développement économique et qui contribuent largement à l'animation du territoire et à faire connaître le territoire du Pays de Vannes. Finalement, BreezeLab, c'est vous permettre à chacun d'entre vous, finalement, d'innover à l'insu de votre plein gré. Avec une devise qui est se connaître, se reconnaître et se faire connaître. L'intérêt de Plateau, c'est de faire du réseau. Et l'idée était justement de revendiquer notre territoire et de le marquer par cet événement. Alors, Ça Flotte, en fait, est un événement qui a permis de faire connaître l'économie circulaire au Vannetais. Le but aussi, c'est lutter contre l'exclusion, effectivement, des travailleurs handicapés, les intégrer dans l'environnement du territoire et tout ça en parlant d'activités responsables, en économisant des ressources naturelles. Donc, le premier coup de cœur, c'est « Alors, ça flotte » de la direction de l'économie. Et le deuxième coup de cœur, c'est « BreezeLab ». Voilà. Le lauréat de ce challenge de 2016, et donc c'est l'opération « Le pain perdu ». Bravo. C'est vraiment une opération emblématique et luttant contre le gaspillage, je crois que c'est important. Deuxième trait qui nous a séduit au sein du jury, c'est que c'est une action à la fois à vocation économique, mais également sociale et humanitaire. Et je vous laisse, Monsieur Pergent, remettre le chèque d'un montant de 1500 euros. Bravo! Complètement, on est aujourd'hui 35 membres et bénévoles. Nous sommes tous bénévoles à la Jeune Chambre économique de Vannes et sa région. On a tous entre 18 et 40 ans. Donc oui, un prix comme ça aujourd'hui nous rend encore plus motivés et dynamiques pour mener toutes les autres actions qu'on a en stock pour l'année 2016. On est heureux, voilà, c'est l'effort de plusieurs réseaux. Et tous le méritaient. Là, on a mérité le premier prix, bon, c'est bien. On est vraiment heureux. Tout ça chargé d'émotion et de reconnaissance d'un travail collectif, comme l'a dit tout à l'heure, dans le monde économique, le monde social et le monde humanitaire. C'est vraiment une très belle opération, une belle reconnaissance ce soir. Les projets étaient très intéressants, mais il faut reconnaître que le lauréat était assez facile à trouver. Ben, ce qui nous a fait craquer, c'est la jeunesse et l'expérimentation de la Jeune Chambre économique, avec beaucoup de fraîcheur. La présentation, en plus, était de très bonne qualité. Et puis, le côté innovant pour l'entreprise de BreezeLab, qui est une vraie innovation. Ce soir, vous êtes un président heureux ? Très heureux. Merci.